Prêt à partir? T'as hâte d'explorer de nouveaux horizons, pas vrai? On ne voyage pas tous pour les mêmes raisons. Mais pour une fois qu'on n'a pas à sauver le monde d'une menace imminente, tâchons de savourer cette aventure au maximum! La croisière s'amuse déjà, à ce que je vois. Le Tural peut sembler proche sur une carte, mais l'océan qui nous sépare présente bien des périls. À commencer par les terribles courants du Triangle de la Mort. Et même si nous emprunterons la route maritime la plus sûre, découverte par l'amiral Blofiswin, la traversée ne sera pas une partie de plaisir. Tu parles! Je me suis ennuyé ferme à l'aller tellement il s'est rien passé. Quoi qu'il en soit, je suis rassuré d'être accompagné de passagers ayant déjà fait le voyage. Uklamath, Erenville, nous comptons tous sur votre expertise. T'inquiète, t'es entre de bonnes mains. Ohé ! Oh ! Nadir va bientôt lever l'ancre ! Bon, j'espère que vous êtes prêts. C'est l'heure du départ. C'est ainsi que paisiblement notre navire prit le large. Le cap vers l'ouest, comme un certain aventurier nommé Kettenram, lorsqu'il relia pour la première fois le continent éorzéen et le continent turalien environ 8 décennies plus tôt. Regarde-moi bien, papa. Je vais te l'expédier en moins de 2, ce rite de succession. Et la reine du Tulliolal, ce sera moi! Bien? Rien d'anormal, pour l'instant. On sait jamais à quoi s'attendre, moi je dis.
Cette jolie petite brise pourrait très vite se transformer en foutue tempête. Dans ce cas, je vais profiter du calme pour me reposer. Voilà bien longtemps que nous avons quitté Charlayan, et toujours aucune terre à l'horizon. Le Tural, ce n'est vraiment pas la porte à côté. À propos, il y a parmi nos camarades passagers des habitués de cette grande traversée. J'ai pu me rendre compte qu'ils en connaissent un rayon sur le Tuliolal et le rite de succession. Cette petite croisière risque de durer encore un moment. Que dirais-tu d'engager la conversation avec eux pour te changer les idées? Grand-père, as-tu toi aussi contemplé l'immensité de cet océan? Ça n'arrête pas de tanguer depuis tout à l'heure. Pas trop le mal de mer ? Comment ça ? Je me porte comme un charme. C'est juste que j'aurais pas dû prendre du rap au dernier repas. Il n'y a pas de honte à avoir, tu sais. J'ai cru comprendre que toi aussi, tu étais originaire du Tural. Est-ce qu'il existe une communauté de vieilles races sur ton continent?
Oui, mais on nous appelle les Chetona. On occupe principalement le Shack Tural, au nord. Ta famille vit là-bas, elle aussi? Je n'ai pas eu la chance de connaître mon père. Il n'était déjà plus là à ma naissance. J'ignore tout de lui, même son nom. Quant à ma mère... Ce n'est pas très rassurant. La situation semble critique. Allons leur prêter main forte. Malgré mon expérience, jamais je n'avais subi la colère d'une mère aussi agitée. Marin expérimenté ou non, tous étaient ballottés par les vagues déchaînées et les vents impétueux. Les flots courroucés tentèrent même d'engloutir Alizée en lieu et place du sacrifice qu'elle leur refusa. De son côté, notre héroïne activa à plusieurs reprises le champ de force du navire pour nous protéger de la foudre. Sans son intervention, personne n'aurait pensé à l'utiliser. Elle avait l'air étrangement familière avec ce dispositif. Clamath participait elle aussi à l'effort de sauvetage. Mais on se serait demandé si ce n'était pas elle qui avait besoin d'être secourue. Quand l'accalmie arriva enfin, nous étions tous à bout de force. Et le Tural était toujours désespérément absent à l'horizon. Maintenant que j'y pense, cette tempête était en quelque sorte un avant-goût des épreuves qui nous attendaient lors du rite de succession. Déjà sur le pont, matelot ? Je supporte mieux la traversée sans tempête pour nous malmener, mais j'ai quand même hâte de retrouver la terre ferme.
J'espère qu'on va bientôt arriver au Tural. Tiens, des mouettes. Encore un peu de patience, nous approchons du continent. J'ai cru plus d'une fois qu'on allait y rester. Mais tout est bien qui finit bien. Je viens d'examiner le marin blessé et son état s'est stabilisé. Il devrait se remettre de cette mésaventure. C'est une excellente nouvelle. Nous pouvons donc emprunter un canot sans plus attendre. Les côtes turaliennes sont entourées de dangereux récifs. Impossible de s'en approcher avec un navire aussi massif que le nôtre. Jusqu'ici. De rien, on a juste fait notre travail. C'est plutôt nous qui devrions vous remercier. Sans votre aide, cette fichue tempête aurait eu notre peau. En fait, on avait lancé des paris sur le rite de succession. Mais vu que tout le monde vous encourage maintenant, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Pour le coup, je suis obligée de devenir reine si je veux pas vous décevoir. J'ai mal au cœur. Nous sommes les derniers passagers à débarquer. Si les adieux sont terminés, allons-y. Là-bas, regardez mes amis, voici le somptueux décor de nos prochaines aventures. Enfin, nous arrivons sur cette terre que vous appelez le nouveau continent. Ma patrie, le Tural. Époustouflant.
Je savais que le Tulliolal était un pays haut en couleur, mais de là à trouver un tel brassage de culture... Je crois apercevoir des cousins éloignés de nos Vanu Vanu, mais leur plumage est sensiblement différent. Pour vous, le dépaysement doit être total. Il faut dire que malgré l'existence de routes maritimes, les navires éorzéens qui osent tenter la traversée sont encore rares. L'inverse est aussi vrai, car la flotte du Tulliolal n'a pas de bateau suffisamment robuste pour faire le voyage. Effectivement. Même les quelques Mamulja souhaitant rejoindre Eorzea pour y devenir mercenaires doivent embarquer sur des navires de commerce Limcea. Ça signifie que nous sommes des raretés sous ces latitudes. Au fait, comme nous débarquons un peu à l'improviste, peut-être devrions-nous montrer patte blanche aux autorités locales. Votre laissez-passer, c'est moi. Vous avez oublié que je suis de la famille royale ou quoi? Vous n'êtes pas d'ici, des visiteurs d'outre-mer. Oui, c'est exact. Vous l'ignorez peut-être, mais le rite de succession pour départager les prétendants au trône du Tulliolal va bientôt avoir lieu. Vous comprendrez que nous surveillons de près les étrangers qui s'invitent sur notre territoire. Quelle est la raison de votre séjour ici, Ja? Hey, c'est bon. Ils sont avec moi. Oh, princesse Oklamath. Je vois. Ils font donc partie de votre suite. Veuillez pardonner notre outrecuidance. Pas de soucis, c'est tout à votre honneur. Nous retournons à notre poste, princesse. Eh bien, une princesse, c'était donc vrai. Bien sûr, ça se voit pas? Bref, peu importe. Au nom du Tulliolal et de tous ses habitants, je vous souhaite la bienvenue!